Et coucou tout le monde, coucou, bienvenue sur Biapi, bonjour. Alors, pourquoi ça flambe? Hein? Pourquoi tu flambes? Hein? Pourquoi? Bonjour, alors bienvenue sur Biapi. Pourquoi Biapi? Alors voyez-vous, hein, il y a les appareils qui sont en train de butiner. Tranquillement, je les fais tourner le serveur un petit peu. C'est tout à fait une roumaine. Au niveau des nids d'abeilles, alors pourquoi je ne peux pas faire de lingots avec ça? Ah si, le lead ça marche, mais pas le gold. Le gold, si je peux. What the fucking shit? Ok. Alors, avant je ne pouvais pas. Ok. Alors celle-ci elle est bonne, hein. Franchement elle est bonne. Viens voir le tin si je peux le faire. Si je peux vraiment le faire, c'est qu'il y a un problème. Ah ouais, je peux le faire parce qu'il est Tomcraft. Franchement elle est bonne parce que je ne pouvais absolument pas le faire il y a 2 jours. Mais absolument pas, hein, mais vraiment pas du tout même. Et là il me dit que je peux le faire. Alors ouais, bah si tu veux. Donc bah 2 copper, hein, et puis 2 tin, hein, parce que voilà. Ah oui, non mais je peux pas. Voyez-vous, je ne peux pas le faire. Le copper aussi, je ne peux pas en fait. Bonne question, pourquoi je ne peux pas le faire? Voyez, hein? Je clique, hein, même par comme ça, je ne peux absolument pas le faire. Donc du coup, je ne peux absolument pas le faire. Ok, donc c'est assez chiant du coup. Mais j'ai regardé un petit peu le Google, hein, ce genre de choses. Et en fait, on peut le faire qu'avec des abeilles. Mais pour ça, il faut produire au niveau des abeilles. Il faut avoir un couproum. Couproum. Avec le nom, ça te fait déjà peur. Le couproum se fait avec des industriaux, c'est dit Mido, vous avez 12% de chance d'obtenir ceci. Mais pour cela, il faut faire les industriaux. Ces industriaux, c'est des diligentes et des Unveari. Et les Unveari, bien sûr, c'est des diligentes et des cultivates. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue pour l'obtenir. Alors, j'ai la diligente. Me faudra peut-être une Mido. C'est bien ça, hein. C'est bien avec une diligente qu'on fait. C'est ça, l'unvary ou l'industriose. Donc il me faut une unvary. L'unvary, ça fait une cultivate. Donc il me faut une cultivate. Tac tac tac, culti, culti, culti. Et j'ai pas de cultivate? Oh. Ah, j'étais pourtant sûr d'en avoir. Cultivate. Mais si j'en ai, je suis con. Parfait, le café c'est super bon. Mais si du cultivate j'en ai, bande de tâches. Bande de tâches, je suis une bande de tâches. Voilà, j'ai une cultivate. Je trouve là. Bon, bien sûr, il faudrait que je la fasse tourner celle-là encore. Hop, avec la petite cocotte. Celle-ci également. Et celle-ci également. Donc je vais les laisser tourner celle-là. Alors, on peut voir qu'avec Apiary, en fait, vous avez très peu de chances d'obtenir des unvaries comme ceci. Mais si je m'en souviens bien, on peut l'obtenir grâce à G-Industry, qui est quand même le mode assez pété, hein, il faut dire ce qui est. En fait, qui nous permet d'obtenir tout simplement notre unvary facilement en fait. C'est vraiment tout con. Bah vraiment tout con, plus ou moins. Hein, mais c'est grâce à lui, en tout cas, qu'on peut obtenir l'abeille qu'on veut illico. Donc, bah, la forêt, la prime machin là, hein. Tu vas hop tranquillement. Donc, du coup, tu nous donnes des honnêtes. Comment se mettre là? Ah, oui, je devais faire les jabas au fait. C'est une bonne idée de faire les jabas. Alors, pourquoi j'ai mis les rubber? Parce que j'ai assez de bois comme ça. Je vais en prendre 64. Je ne sais plus s'il me faut. Des jabas. Comment on obtient des jabas? Jabas bien, jabas mine. Ouais, c'était une bague de merde. Hein. Hop, hop, 24, j'en fais 4. Voilà. Des petits jabas.
Alors bien sûr, les jabas me servent qu'à faire au niveau des abeilles. Donc du coup, on va les mettre là. Alors bien sûr, je vais sécuriser un petit peu ceci pour éviter de tomber, hein, naturellement. Jabas, jabas, jabas et jabas. On va prendre Léoné. Bien sûr qu'on va les mettre là. Oh, bah il y en a beaucoup d'un coup. Bon, par contre, le petit truc qui est Mobius machin, là, il te cache un petit peu tout. Hein, mais sinon, c'est plutôt sympa. L'attelé, ça. Et puis, on va prendre ceci, tiens. Hop. Parce que l'attelé, c'est quand même cool. Voilà. Les dampes, on les met bien. Et les rockies, bien sûr, qui nous servent quasiment à rien. Bon, alors, si ça saute, hein, c'est Optifine. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc. Fois que ceci est en fait, elle va produire également la même chose que celle-ci parce qu'elle vient à partir d'une diligente, ce qui est tout à fait normal. Elle, par contre, je voudrais bien qu'elle réduise en vie, c'est-à-dire qu'elle va travailler le plus vite pour nous. Hein? J'ai envie qu'elle travaille beaucoup plus vite parce que nous aurons besoin de notre couproum qui nous permet justement, vous savez bien, d'obtenir les industrius 42. 42,73. 42,7. Ouais, c'est toutes les abeilles, quoi. Ouh, il y en a un paquet. Pourquoi j'ai du thomium, au fait? Parce que c'est bien beau, mais... Oh, du purple. Du purple live. Live, live. Larve, voilà. Diligente forest, blue. On peut obtenir du magenta, du blue, et quand on fait, on obtient du blue comme ça. Ok, on peut même faire de Applied. J'avais oublié qu'il y avait le mode pack là. Du coup, bah, 42,73, hein. Oh putain. Industrius? Industrius, voilà, Industrius. Donc c'est du Diligent et du Unvary. Donc Diligent Princess et Unvary. On va prendre une Diligent Drone. Qui se trouve là. Et on va prendre une Unvary version naturellement version Unvary comme ça. Donc j'attends juste qu'elle crève celle-là, qu'elle puisse me donner mon dû facilement, hein. Ça serait cool. Allez ma cocotte, donne-moi ce qu'il faut. Tu crèves, s'il te plaît, hein, que je puisse faire ce qu'il faut. Oh, les petites abeilles qui tournent. Elles tournent bien en plus. Ouais, c'est bien, je m'éclate. Bon, tu vas me donner la cocotte? Je crois qu'elle a une énorme vie, celle-là, je suis pas sûr. La... Comment? Unvary. Shortened life. Ah, ok, la vie est très très courte. Ah bah elle est très très courte, mais putain qu'est-ce qu'elle travaille lentement en tout cas. Normal worker. Putain, elle travaille normalement. Ah bah putain, heureusement que c'est pas une lente. Si c'était une lente, qu'est-ce que ça serait? Oh, ça parle mal. Donc, alors j'espère en tout cas que le mode pack vous plaît, mesdames et messieurs. Également, quand cette vidéo sortira, je serai sans doute en possession de la future fibre qui est the big fibre, hein, donc la grosse fibre qui va bien. Donc bah ça c'est tranquille, hop, on va la remettre en version 1. Hop, Industrius. Alors bien sûr l'Industrius nous donne quand même des facultés très sympas, notamment ce petit pollen qui nous permettra éventuellement de faire plus tard des alvéaries naturellement. Donc une fois ceci en fait, je vais la faire travailler en fait plutôt tranquillement celle-là. Je vais vraiment la faire travailler tranquillement. J'ai pas envie non plus de la buter comme je voudrais bien faire avec d'autres. Mais ça pourrait être sympa que je te pique ça. Tac tac. Voilà. Donc l'industrie aussi, une fois que nous l'avons, pour l'obtenir en version Cuprom, on peut obtenir tout maintenant. On la mélange avec une Mido et on obtiendra du coup une Cuprum Queen. Donc ça c'est cool.
Mais est-ce qu'il nous faut du stagnium? Si c'est le cas, il me faudrait d'autres armes. Du tin, comme. Oui, bah c'est ça, du stagnium. Donc il nous faudrait ceci. Oh, du pollen! Oh, la petite quête du pollen nous adore! Nous attend surtout! De l'attelé. Ah oui, ce serait peut-être bien d'avoir de l'attelé, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour faire de l'attelé. Donc ça risque d'être un petit. Oh, tiens, ça me. Ah bah non, j'ai pas les machines pour. J'ai pas les machines, en fait je voulais mettre Fertility sur une abeille pour obtenir beaucoup plus de drones, mais en fait non. Non, non, non. Ah d'accord, c'est 64 pollens pour obtenir une double. Ah, en même temps, ça pourrait être sympa finalement, hein, d'attendre en fait qu'elle travaille pour obtenir une double. Parce que au début, ça peut être long, ça peut être même très long, il faut dire ce qu'il y a, hein, ça peut être même très long. Mais une fois en fait que tu as ceci qui est repeatable. Avec le jour les jours nuits de Minecraft, franchement, tu peux te faire quasiment toutes les abeilles, hein. En même temps, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais tu peux te faire toutes les abeilles. Et ça, c'est cool. Oh, j'avais pu penser à celle-là, usuel. Donc du coup, on peut tous se les faire. La monastique, hein, évidemment, celle qu'on n'obtient que avec les PNJ, mais des cultivates. Ah, oh, on peut avoir une autre cultivate. Oh, c'est laquelle? C'est quelle? C'est lequel? 96? Voilà. Manuel. Ah non. Voilà. En fait, il m'en faut 128. Et du coup, je peux claim ceci qui sera réputable dans un jour et 9 heures. Voilà. Mais du coup, je vais pouvoir faire travailler ma petite abeille. Alors, cependant, toi, tu vas t'enlever du mode là. La rivière, c'est cool. Hop, hop. Je vais te laisser continuer la cultivate. Hein. Je vais te faire travailler ici, tranquillement. Tac, tac, tac. La dampe et l'attelé, on va la rajouter ici. Hop, hop. Voilà. Donc, ça, c'est magnifique. Tac et tac. Ah, finalement, c'est pas si mal que ça, le modpack. Il est bien géré pour obtenir plus d'abeilles. Donc ça c'est store et ça c'est bon, ça c'est l'alvéari, on va peut-être éviter de la faire tout de suite. Faudrait que je génère en fait des bises. Mais il me faut 128 de rock, putain c'est chiant à faire. Bah c'est chiant, c'est surtout long. C'est pas si chiant que ça, c'est surtout long. Donc bah du coup je vais faire la petite cocotte, hein. Je vais la faire cuire pendant 2 stacks et je vais les placer là-bas. Donc là-bas bah, c'est la fameuse diligente qui travaille tranquillement. L'industrieuse qui nous dit produit du pollen. Donc je pense que vous voyez au niveau de laquelle je vais pas mal attendre en fait qu'elle produise. Il y a celle-ci qui va être intéressante à donner 64 stringing combs. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà elle va nous donner 2 common princess et cultivate, donc ça c'est normal, mais surtout les génétiques en fait. Les génétiques là, ça va me permettre justement d'incorporer. Arrête de brûler toi! D'incorporer du fertility au niveau en fait de mes abeilles les plus précieuses. Donc ça veut dire que je vais obtenir des drones en supplément et qui peut éventuellement me faire un énorme plaisir par la suite. Vous voyez, on peut obtenir de l'aluminium avec des cultivates, ce genre de choses. Des infernales. Ah, c'est avec une natte infernale qu'on fait de l'ardite? Oh. Sachant qu'une infernale, je peux en avoir une facilement. Et du ferrous. Le ferrous, c'est une commune et une industrieuse. Donc, je pourrais faire du ferrous. Et là, à partir de là, en fait, on peut commencer à faire ces générations de minerais. Bon, bien sûr, ça prend du temps. Mais une fois que tu l'as fait tourner, t'inquiète pas, tu vas en avoir. Hein. Ça consomme, certes, mais OSEF. Déstabiliser de queen, donc ça fait de la redstone. Ça c'est bien. Bon, en même temps, il faut l'abeille la plus chiante à avoir, mais c'est pas la plus chiante d'ailleurs. Donc, du coup, c'est une forest drone et une forest et une industriose pour obtenir celle-ci. Et également, on peut obtenir la coproom avec une mido. Donc, ça c'est plutôt cool. Alors, il y a celle qui travaille pas, qui travaille pas. En fait, il y en a aucune qui travaille la nuit. En fait, vous êtes chiantes les abeilles. Vous êtes très chiantes, naturellement. En tout cas, j'espère que vous comprenez un petit peu le mode abeille, pourquoi il me plaît aussi bien. C'est très long, certes, franchement très long, ça je vous le cache pas. Et encore, c'est avec Gen Industries, donc on peut l'automatiser. Heureusement d'ailleurs. Mais n'empêche, en fait, c'est
pas mal long, hein. Franchement. Oh bah tiens, j'ai un autre Fertility. Oh, j'ai 4 Fertility. Ah, c'est cool ça. J'avais pas vu que je l'avais toujours. Sur moi en fait. Du coup, la diligente. Qu'est-ce qu'on peut en faire l'intelligente? L'intelligente, oui. La diligente, mon grand. Des tolérantes. Ah, la tolérante, elle pourrait être pas mal. Je sais qu'elle peut faire pas mal de choses. Celle-ci me dit vaguement quelque chose. Je m'en étais servi à un moment sur FTP3. Ça fait la Sugari. Qui fait celle-là? Qui fait la Fruity, la Fermented? Et elle fait quoi la Fermented? De l'Alco? Ok. Oh, ça fait du mythe. Ok, bon, elle sert à absolument rien, à part ça. Donc, avec l'Anvari, ça me fait une autre Industrious. Qui pourrait être pas mal, du coup. Avec une autre Anvari. L'Anvari. Oh putain, elles sont vraiment très lentes, hein. Pourtant, elles sont plutôt pas mal. Donc, on avait dit quoi avec la diligente? Je me rappelle plus déjà. Unvary. Et sachant que l'Unvary, je crois que je l'ai mise là-bas. Ou si je l'ai pas mise là-bas, il faut que j'en crée une. Unvary. L'Unvary. Comment on va la créer, l'Unvary? C'est une diligente et une cultivate. Donc il faut que je crée avec une cultivate. Ok. Sachant que la cultivate, on peut la faire d'une autre façon. C'est une common et une forest. La common et la forest, la common ou la meadow, c'est pas mal. Alors, c'est une common et une meadow. C'est une common avec une meadow. Une forest. Hein. On va mettre une meadow pour être sûr. Ah, par contre, c'est une meadow, mais une common plutôt version grande. Non, c'est pas celle-là. Machinerie? Non plus. Ressources? Non plus. Sonne magique? Non, c'est Botania. Store? Ah, c'est celle-là. Donc, il nous faut 64 comme ça. Ça va. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc, le drone, je peux le remettre là-bas. Je peux faire en sorte que ça, plus ça, t'égale une cultivate. Hop. Est-ce qu'on peut remettre directement les abeilles dedans? Non. Faut la faire tourner au moins une fois. Faut la faire au moins tourner une fois. Sachant que j'ai une cultivate ici. Hop. Alors je vais t'enlever ça temporairement. Cependant, je vais me faire un petit coffre là-haut qui me permettra de voir un petit peu ce que je peux mettre là-haut. Normalement, ça n'obstrue pas en fait le système. Tac. Du coup, faudrait que je la fasse mourir rapidement. Donc, du coup, je mets l'upgrade qui va bien. Naturellement. Hein. Donc, en fait, ça va faire en sorte qu'elle va mourir plus vite, forcément. Mais une fois qu'elle est morte. La petite cocotte. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons atterrir dans la mort de l'abeille. Veuillez tenir votre ceinture à distance. Merci. Même si ça veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, elle est à 70%, elle va bientôt crever. Oh, l'Eldritch. Oh, l'Eldritch. C'est bien, nous donne des petites combes super sympas. Dis-moi, est-ce que tu vas crever facilement? Elle va me dire oui plus tard. Alors 55, 17, 7 pollen. Putain, elle travaille tellement bien en fait. On vive l'upgrade aussi, hein, faut dire ce qui est. Donc, ça c'est bon. J'ai celle-ci. Donc, hop, travaille toi. Voilà. J'ai 3 cultivates en plus. J'ai ça qui peut être pas mal. Ça, je vais la remettre là-haut. Faudrait que je me crée une apiarie exclusivement pour les abeilles, pour faire leur quota de mort-vive rapidement. Hop, l'Anvari, donc on va la faire tourner, celle-là.
que je vais faire la redstone avec. Donc, du coup, l'unvary maintenant, on va la foutre avec une diligente. La diligente, sachant que je l'ai que là. Alors, j'ai une diligente, il faut que je la fasse tourner. Mais il faut que je la fasse tourner très rapidement. Hop. Donc celle-là, c'est celle qui va là. Normalement, celle-ci nous produit que du... Ah, de la combe comme ça. Ouais, c'est pas mal, tiens. Hop. Donc ça, c'est pratique. Donc, bah, j'attends qu'elle travaille cette cocotte, hein. 72 arrive pratique. Heureusement qu'il y a des solars derrière. Hein. Parce que à ce compte-là, je serais mal dès le début. D'ailleurs, je pourrais toutes les remplacer. Hein. Mais je vais pas le faire. Du coup, là, elle est à 30%. Donc elle va travailler tranquillement. Je retourne sur BAP. 64, il m'en faut 64. Donc il m'en faut 58 ici. Plus. Pas celle-là, plus pas celle-là, plus celle-là. Ah, j'en suis pas très loin. Ouais, 29, ouais, c'est bon. Hop. Donc, génétique, apiary ou industriel? Je vais peut-être prendre des. Peut-être une industrielle rien que pour moi en fait. Faire travailler l'abeille, la tuer en mode rapidos. Ça pourrait être sympa. Oh, on commence à obtenir du. Des quêtes plutôt intéressantes. Obtenir du blé, 128 de blé. Pour obtenir des roquilles et une génétique. Ok. Alors, vous pouvez l'obtenir de deux façons. Soit en faisant justement du petit blé avec les quêtes. Notamment le blé là, les seeds. Soit bah, il faut les faire travailler elles-mêmes. Non, tais-toi, toi. Tac, tac. Cultivate, c'est cool. J'ai des industrios. J'ai les génétiques qui peuvent être pas mal. Alors, cependant, en parlant de génétique. Ah oui, c'est le génétique là et le Genetic Temple ici. Ok. Donc, les deux là vont être intéressantes. D'ailleurs, est-ce que j'ai extra U? Ouais, j'ai extra U, donc du coup, je peux avoir les Dark Angels. Ah oui, je peux avoir les Angels. Ah bah, c'est cool ça. Alors, du coup. Je vais les mettre là. Ça me permettra en fait d'obtenir de l'énergie qui stocke quand même 4 millions les cocos. 1 million ici et 4 millions là. Putain, tu travailles tellement puissamment en fait. Et là, t'as besoin de 200 000. D'accord. Je sais pas, des petites abeilles de merde en fait. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moi, je pourrais les remodifier ici. Ah, j'en ai que 6. Ah, fuck. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Pof. Voilà. Sauf que je peux pas passer sur celle de derrière. Tac. Non, tu veux pas? Bon bah tant pis. Hop, on va faire ce qu'il faut. Voilà, comme ça j'ai des petits câbles en plus. Ça peut être pas mal. Du coup, celle-ci, elle a fini de travailler, donc je vais prendre celle-là. Celle-là, je vais les ranger. Celle-là, je vais les prendre. Je la mets là-haut. La common, là, je la mets là. Envery, je vais les remettre là-haut. Je vais les transformer, celle-là, pour obtenir une autre Industrious. Putain, 16 de pollen, putain, elle travaille tellement vite en fait. Bah, elle travaille pas vite, elle travaille très bien en fait, c'est surtout ça. Pour obtenir le pollen, donc on va obtenir le pollen pour avoir une autre Industrious. Sachant que j'ai une Industrious ici et que elle travaille déjà celle-là. La commande, je vais l'enlever. Je vais mettre l'Industrious. Cette fois-ci, je vais la mettre là. Je vais la mettre en mode je consomme. Pas beaucoup, mais je produis bien. Ça, bah, je m'en tape un peu, tiens. Hop. Vas-y, upgrade-toi.
Ici, j'en ai pas besoin, donc je peux me mettre en upgrade. Quoique la diligente, je pourrais peut-être la mettre en upgrade maximal. Sachant que... Oui, sachant qu'il y a celle-là, donc ça va. Donc, voilà, on a l'abeille en question. Du coup, au niveau de mes... Comment? Store. Au niveau de l'industrios, il nous en faut 64 pour obtenir une autre industrios. Mais cependant... On va devoir prendre la coupe room et l'autre pour l'obtenir. Donc c'est avec une mido et l'autre c'est avec une forest. Ok. Il y en a une avec une mido et l'autre avec une forest. Donc la mido. Ok. La mido. Comme Valérie. Voilà. Et la forest. J'étais nul, hein, je sais. Mais c'est pas très grave. Du coup, comme elle travaille celle-là, je vais la laisser travailler elle toute seule. Je vais mettre une auto-automatisation aussi. Hop là. Je vais les faire dodo. Nous, on va se retrouver dans un prochain épisode parce que je sens que l'épisode va durer très longtemps. Alors attention, ça peut être très long, hein, les épisodes. Mais n'empêche que c'est plutôt sympa. De voir des petites abeilles se butiner dans les airs. C'est magnifique. Par contre, elle butine pas ces arbres-là. Hein. Non. Elle est dégueulasse, ton arbre. Oui, merci, je sais. Et puis, du coup, bah, moi, je vais aller travailler Botania pour obtenir de la roche version Botania, en fait. Hop. Il m'en faut 128, donc autant commencer maintenant. Parce que de toute façon, si je commence pas maintenant, bah, je vais jamais la faire. Donc du coup, je vais faire ça. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Bisous, c'était EP sur les billes. J'espère que vous aimez. Likez surtout. Bisous.